Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. On est ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Mac sur School TV. Aujourd'hui, dans Action Éducation, on s'intéresse au petit déjeuner. Et oui, c'est parti pour le sommaire. C'est l'une des priorités du plan pauvreté. La distribution des petits déjeuners gratuits dans les écoles. L'État tente, vous le savez, d'encourager cette initiative dans les zones d'éducation prioritaire notamment. Est-ce une réussite? Est-ce la bonne approche? État des lieux dans un instant avec Mathilde Wessels. Un petit déj pour bien débuter la journée. Vous connaissez le célèbre adage, l'expression, mais quelle doit être la base d'un bon petit déjeuner? Un déjeuner équilibré? Quels apports énergétiques, caloriques? Quel impact surtout sur le métabolisme de nos enfants? La réponse à suivre. Et puis on fera un petit tour également du côté de la cantine. Le repas à 1 euro, où en est-on? Là aussi, c'est pour venir à bout des inégalités. Le repas du midi est parfois le seul que mangent les élèves dans la journée. C'est dire s'il y a une situation, c'est dire s'il y a urgence. En plateau avec nous, Violette Petroche. Bonjour. Bonjour. On dit bien Petroche? Oui, c'est ça. Ah, c'est Petroy, mais... Ah, Petroy. Les deux fonctionnent. Je rajoute un Y, ce sera plus facile. Violette Petroche, nutritionniste à Paris, dans le 16e arrondissement de la capitale. En plateau également, Prisca Thévenot. Bonjour, vous êtes bonjour. Porte-parole de La République En Marche. Mathilde Wessels, une fois n'est pas coutume, sort salope. Salut Mathilde. Bonjour. Mathilde, le gouvernement souhaite absolument relancer le plan petit-déjeuner gratuit à l'école, mis en place, c'était en 2018. Et oui, j'aimerais déjà commencer par des chiffres qui vont vous aider à prendre conscience du phénomène. 3,4 élèves par classe, du CP au CM2, arrivent le matin à l'école le ventre vide. 13% d'élèves se trouvant dans les territoires prioritaires ne mangent pas le matin pour différentes raisons. Le manque d'appétit, le manque de temps, le lever précoce, le stress, et puis les parents, évidemment, qui ne sont pas là le matin, et puis, évidemment, pour des raisons économiques. Je vous propose d'ailleurs de regardez cet extrait vidéo du ministère de l'Éducation. L'opération de petit déjeuner gratuit à l'école est très importante pour bien des raisons. La première, c'est qu'elle envoie un message à tout le monde, qui est un message quant à l'importance de ce repas en début de journée. Nous savons très bien qu'un enfant qui n'a pas mangé en début de journée est un enfant qui va apprendre beaucoup moins bien. Arriver le ventre vide à l'école, c'est un facteur de risque de moins bien apprendre, de moins bien se concentrer, et ça peut creuser les inégalités sociales. Incitons les communautés éducatives, les élus, à mettre en place des petits déjeuners gratuits dans certains pays anglo-saxons qui les ont déjà mis en place. On sait qu'un enfant qui prend son petit-déj peut gagner jusqu'à un mois d'apprentissage des maths et deux mois d'apprentissage des lettres sur une seule année scolaire. C'est donc, vous l'avez entendu, surtout hein, pour lutter contre les inégalités que le gouvernement a décidé donc en 2018 de lancer le plan petit-déjeuner gratuit dans les territoires prioritaires. Plus de 153 000 enfants en ont bénéficié, c'est en 2019. Le petit-déj, c'est si important que ça? Oui, parce qu'il représente entre 20 et 25% d'apport énergétique sur la journée, qu'il est primordial pour l'aide à la concentration et à bien travailler à l'école. Et puis surtout, après un jeûne de 12 heures en moyenne, votre enfant a besoin de manger le matin. Et puis un bon petit déjeuner permet à l'enfant de tenir toute la matinée sans forcément grignoter. Petit déjeuner gratuit dans les écoles, en termes de cahier des charges, ça donne quoi ? Effectivement, puisque bien manger, ça s'apprend. Les petits déjeuners sont encadrés par plusieurs principes. Il faut que le petit-déj soit équilibré déjà et de bonne qualité. On commence par les bases, évidemment. Il doit respecter les règles de sécurité et d'hygiène, qu'il soit ouvert à tous les enfants, qu'il soit accompagné également d'une éducation à l'alimentation et d'une sensibilisation des parents au rôle du petit-déjeuner. Ce plan qui permet aussi de lutter contre l'obésité qui touche de plus en plus d'enfants. Ouais, c'est un vrai problème de santé publique. L'obésité est facteur de risque pour plusieurs maladies, l'hypertension, le cholestérol, le diabète et les maladies cardiovasculaires. On en parlera, j'imagine, avec vous tout à l'heure. C'est donc pour lutter contre l'obésité et contre les inégalités que le gouvernement a débloqué 40 millions d'euros pour les petits-déj gratuits pour la rentrée 2021, malgré le Covid. On va en parler tout à l'heure. Des moyens en plus, des moyens supplémentaires, en tout cas souhaités par le gouvernement. Est-ce que c'est facile, oui ou non, à mettre en place? On en parle tout de suite dans l'expression orale. Prisca Thévenot, porte-parole de La République En Marche, le petit déjeuner gratuit à l'école, c'est souhaitable ou c'est une absolue nécessité? C'est une absolue nécessité et donc c'est plus que souhaitable. Oui, parce qu'effectivement, les inégalités alimentaires conduisent à des inégalités d'apprentissage et donc viennent renforcer les inégalités de destin. Et ces inégalités de destin sont quand même au cœur du projet porté par Emmanuel Macron, candidat en 2016, et mis en place par Emmanuel Macron, président à partir de 2017. Donc effectivement, dans le cadre du plan national de prévention et de lutte contre la pauvreté, il y a eu notamment le dispositif petit déjeuner gratuit. Il était à la base destiné aux zones d'éducation renforcées, prioritaires renforcées. Et puis, force est de constater que les premiers retours terrain, mais également les rencontres qu'ont pu faire notamment la secrétaire d'État Nathalie Limas avec des élus locaux, mais également des professeurs. Chargée de l'éducation prioritaire. Exactement.
ils se sont rendus compte qu'il fallait l'élargir, le déployer plus largement à l'ensemble des établissements qui le désiraient, de la petite section de maternelle jusqu'au CM2. Encore une fois, il s'agit d'un partenariat très fort entre l'État, qui vient subventionner, donc à la base c'était 1 euro par petit déjeuner, maintenant c'est 1,30€ en hexagone, 2 euros pour l'outre-mer, oui. Mais également les collectivités locales. Et c'est suffisant ? Alors, on 1€, 1,30€ pour la métropole et puis ça va être 2 euros pour l'outre-mer ? Alors je ne sais pas si on va dire que c'est suffisant ou pas, mais en tout cas on estime que le coût moyen d'un petit déjeuner aujourd'hui en collectivité, c'est 1,20€. D'accord. Donc encore une fois, le tout dispositif peut être adapté, on le voit, il a été déjà adapté, il a été renforcé, il a été déployé plus largement. Je pense qu'il ne s'agira pas ici de dire nous faisons attention à notre porte-monnaie, il s'agit du ventre de nos enfants. Donc avançons, le budget a déjà été noté dans le projet de loi de finances 2021 de 14 millions d'euros, s'il doit être triplé, et je dis ce chiffre à très bon escient parce que c'est une question, s'il doit être augmenté, il le sera. Est-ce que la crise du Covid a freiné un peu plus cette démarche ? Oui, la crise, de manière générale, la crise du Covid a freiné un certain nombre d'actions et de politiques publiques. Ça, il faut être très clair. Maintenant, ne tombons pas dans une querelle d'égo où chacun viendrait se renvoyer la balle. Sur ce sujet-là, pour être très clair, et j'échange avec de nombreux élus, majorité présidentielle ou pas d'ailleurs. Et ils vous disent quoi d'ailleurs sur le terrain ? Alors, certains l'ont adapté. Typiquement, je crois que c'est à Poitiers. Alors, quand c'est là, je le permets, bien évidemment. C'est un buffet qui est mis en place où les enfants, du coup, ceux qui ont déjà petit déjeuner, n'y vont pas spontanément, ils vont jouer dans la cour. Et puis ceux qui y vont, ont besoin d'y aller, ils vont. Et du coup, se servent à hauteur de ce qu'ils peuvent avoir. Bien évidemment, on a beaucoup lu ça, effectivement, la solution du buffet. Ça peut être la solution quand plus que la... Quand c'est possible. En petite section de maternelle, on voit que c'est quand même un peu plus compliqué parce qu'il faut quand même s'asseoir, etc. Mais quand c'est possible, encore une fois, là, ce qu'on voit, c'est que le dispositif est largement plébiscité. Maintenant, il faut qu'il soit assez souple pour que chaque commune, chaque intercommunalité puisse se l'approprier. On le voit notamment, moi, j'ai échangé hier avec Jean-Baptiste Moreau, qui est député dans la Creuse, et qui expliquait que sur son territoire, c'est le dispositif des petites ville de demain qui est venu renforcer le déploiement de ce dispositif. Parce qu'on peut bien comprendre que pour des villes de moins de 20 000 habitants, c'est quand même un coût non négligeable. Une organisation, et puis une organisation extrêmement lourde. Donc là, ils se sont servis de ce dispositif-là pour venir centraliser la mise en œuvre et du coup, le déployer largement. Violette Pétreuil, je rappelle que vous êtes nutritionniste à Paris. Les chiffres donnés par Mathilde il y a un instant font... pour moi, froid dans le dos, au moins trois élèves par classe, par classe viennent à l'école le ventre vide, une journée sans petit déjeuner. Est-ce que c'est véritablement un handicap pour eux ? Ah, mais bien sûr, parce que il faut savoir que le cerveau fonctionne, les cellules du cerveau en fait fonctionnent essentiellement avec des glucides. Et si on n'en a pas dès le matin, on a des problèmes de concentration. Donc c'est fondamental. Après, il est important, je pense aussi, d'avoir des protéines. Souvent, effectivement, il y a aussi cette inégalité qui fait que certains enfants dont les parents n'ont pas les moyens mangent des produits sucrés de mauvaise qualité. Et là, en fait, c'est même pire. Parce que le repas du matin régule la glycémie de la journée. Donc c'est-à-dire que si on apporte à un enfant des produits qui sont très sucrés dès le matin, en fait, il va avoir envie de sucrer toute la journée. Et du coup, en fait, ça conduit même à l'obésité, à des problèmes de diabète. C'est pas un peu l'erreur justement qu'on fait en France ? On a cette culture du petit déjeuner sucré, qui vient des États-Unis. Petit déjeuner continental. Qui vient des États-Unis parce qu'ils ont lancé, les États-Unis ont lancé un peu une mode anti-gras, tout ça, alors que finalement. Je m'y attendais pas. Je pensais que justement la tartine avec la confiture, c'était plutôt bien ça. Non, c'est vraiment le pire. Et d'ailleurs, on donne aux enfants parfois au goûter du pain blanc avec de la confiture, et ça, c'est le drame. Je vous rappelle qu'on est traduit, on est diffusé aux États-Unis. Vous allez vous faire des amis. C'est quoi la base d'un bon petit déjeuner ? Alors, pour moi, un petit déjeuner, l'idéal, et c'est vrai que ce n'est pas vraiment ce qu'on fait en France, ça serait des protéines, donc un œuf à la coque ou un morceau de fromage, du pain complet, et un fruit entier. Parce que dans le jus de fruits, on n'a plus les fibres, on n'a que le sucre. D'accord. Et donc... Si je comprends bien, un petit déjeuner avec une touche de salé, bien sûr, c'est l'idéal. À l'anglaise, à l'anglo-saxonne, pour ne pas avoir de fringales dès 10h30. Exactement. Pour moi, c'est vraiment l'idéal. Et éviter tout ce qui est céréales, barres de céréales, les petits biscuits, petit-déj, tout ça. Ça, c'est vraiment des choses qui sont... Mais parce que les parents n'ont pas le temps ou pas les moyens. Quand on a 4 enfants, vous imaginez faire les œufs à la coque, c'est pas possible. C'est un peu compliqué le matin. On en parlera avec Mathilde Vessels, qui est la spécialiste de l'œuf à la coque.
Coq, Prisca Thévenot, plus sérieusement, disait à l'instant qu'effectivement, certaines communes, certaines villes ont opté dans des écoles pour la formule buffet. Des fois, ça, c'était plus arrangeant. C'est une bonne solution pour vous, moi, justement ? Moi, je trouve que c'est vraiment une très bonne solution parce qu'il y a des enfants le matin qui ont... Enfin, moi, personnellement, je suis maman. Le matin, mon fils, je lui fais des œufs à la coque ou voilà, un sandwich avec du jambon, du fromage de qualité. Et moi, j'aimerais pas en fait, qu'on le force à manger à nouveau dans la matinée alors qu'il a déjà pris son petit déjeuner. D'accord. Donc, effectivement, l'idée du buffet, je pense que c'est bien parce qu'il ne faut pas non plus qu'il y ait un apport calorique trop important et respecter un peu le si vous voulez, chaque enfant un peu à son horloge biologique pour manger et respecter un petit peu ça. Donc, l'enfant qui a faim ira au buffet spontanément. J'adore parler de chiffres avec vous, Prisca Thévenot. 153 000, je crois, petits déjeuners ont été distribués en 2021. L'objectif, c'était de 200 000 petits déjeuners. Pourquoi, au final, c'est si compliqué ? Parce que c'est une... Déjà, la première chose, c'est que c'est compliqué peut-être dans la mise en œuvre, mais c'est accepté très largement, hein, vraiment. C'est un dispositif qui est quand même très publicité. Mais parce qu'il a fallu s'adapter, typiquement, bien prendre la mesure de où on le mettait, comment on le mettait, est-ce qu'on s'entendait avec la ville voisine, est-ce qu'on le faisait au niveau de l'interco. Et donc tout ça, ça prend un peu du temps. L'enjeu n'est... Vous sentez que l'ensemble des élus, justement, sont sensibles à ce discours sur le petit déjeuner, ou c'est... ils ont plutôt cette sensibilité dans les zones prioritaires ou dans les zones rurales dont vous parlez, notamment dans la Creuse. De manière générale, tous les élus et les professeurs et enseignants, quand ils sentent que le besoin se fait, vont plébisciter ce dispositif. Parce qu'il en va effectivement du ventre de nos enfants, de leur apprentissage, et simplement de constater qu'à 10 heures, oui, c'est pas une légende, quand un enfant n'a pas mangé, mais il n'arrive plus à se concentrer, il n'arrive plus à apprendre. Et donc ça, c'est un sujet. Donc en réalité, le dispositif est quand même très mis en place, bien adapté, bien pris en main par les différentes communes. On était effectivement sur l'ordre de 153 000 avant le Covid, on arrive à peu près à 200 000. J'ai envie de dire, ne restons pas focus sur des chiffres. D'accord. Regardons plutôt là où il est déployé, s'il est bien déployé. Vous prenez la porte-parole. Non, mais c'est vrai. Là où il est déployé, s'il quand l'objectif n'est pas atteint, en général, on dit, on ne regarde pas trop les chiffres, l'objectif, mais plutôt la démarche. Vous savez, l'objectif qui est atteint, c'est que plutôt que 200 000, 150 000, 300 000, c'est que tous les enfants de France puissent aller à l'école le ventre plein. Et plein de bonnes façons. Donc voilà, l'objectif sera atteint quand on sera à ce niveau-là. Je rappelle que la distribution, elle n'est pas forcément, en tout cas, ça dépend des établissements, quotidienne. Non. Souvent, c'est une à deux fois par semaine. Vous me dites que c'est un bon début ? Oui, c'est une. Ça peut être tous les jours, comme ponctuellement aussi. Il faut l'adapter en fonction aussi des disponibilités de personnel, également des besoins des professeurs et des familles. Mais c'est aussi un moment où, moi je l'ai vu avec mon grand à l'époque, où les parents peuvent partager ce moment. Il y a certains établissements où, justement, si les parents le souhaitent, ils peuvent venir. Alors, c'est en dehors du temps scolaire, ça ne vient pas grignoter sur le temps scolaire, peuvent venir assister. C'est toujours en dehors du temps scolaire, donc les enfants doivent venir plutôt à l'école. À 8h20, en gros. En général, ils sont dans la ils sont en cours de récréation, ils arrivent rarement. Ça ne vous arrangerait pas, ça, vous. Mais voilà, l'enjeu aussi, c'est d'avoir ce moment de partage, d'avoir... cette école, c'est la fameuse école de la confiance de Jean-Michel Blanquer, où il y a le triptyque corps enseignant, enfant, parent. Et donc, ensemble, on apprend, on réapprend des choses, comme pouvoir se poser pour petit déjeuner, prendre le temps de petit déjeuner. Bien évidemment, on sait à quel point c'est complexe. On est fatigué, on va vite, on a plein de choses à gérer. Mais peut-être se lever, encore une fois, 10 minutes, 15 minutes plus tôt le matin, ça permet d'avoir ce temps. Ce temps précieux pour la journée des enfants. Le petit déjeuner, il faut en faire justement à l'école un temps pédagogique ? Alors, moi, je pense qu'effectivement, ça manque justement d'apprendre aux enfants quel produit choisir, pourquoi. Donc, après, chaque chose en son temps. Mais effectivement, les nutritionnistes, ils n'interviennent jamais dans les écoles, d'ailleurs. Il y a la semaine, typiquement. Ah, une semaine. C'est le sujet. Non, mais ça a été mis en place. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire que c'est parfait et que tout est fait. Mais ça a commencé à être mis en place, effectivement, pour ce rapport à l'alimentation, ce rapport aux produits de saison, et puis aussi comprendre ce qu'on mange. Tout simplement. Très important. Donc, il y a eu la semaine du goût qui est mise en place, effectivement. C'est une semaine, mais là aussi, il y a des nutritionnistes, il y a des chefs qui viennent aussi expliquer ce qu'est un légume, ce qu'est un fruit, ce qu'on en fait, pourquoi on mange des carottes à cette période-là et pas à telle période. Et en fait, Moi, petit, je ne me souviens pas qu'on m'a expliqué ce que c'était que les lipides ou les glucides. Bien sûr, mais j'ai même des adultes. Même des adultes, en cabinet, qui ne savent pas. Je leur dis manger des glucides, ils ne savent pas. D'accord. Voilà. Donc, et puis, ils apprennent aussi, moi, je l'ai vu dans certains
certains TAP, ce qu'on appelle les activités extrascolaires, à lire les Nutri-Score. Donc en fait, on a des enfants qui savent aujourd'hui, moi j'ai appris avec mes enfants, à lire sur un paquet de gâteaux, etc. C'est pas bon ce que tu nous achètes. C'est pas terrible. Ben non, du coup c'est super, parce qu'en fait on est vraiment en train d'éduquer la génération à venir. Donc si eux aussi du coup en profitent pour nous éduquer un peu, moi je suis pas complètement contre. Hein. On l'achète, Mathilde. Oui. On parlait des zones prioritaires tout à l'heure, c'est vraiment le plan de Jean-Michel Blanquer d'aller d'abord dans ces territoires-là, plus populaires, donc plus, un peu plus pauvres en France. Est-ce que ça va être étendu à toute la France, à des villes autres? Oui, mais c'est étendu déjà. D'accord, c'est déjà en étendu, fait, d'accord. Ça a été, à l'origine, c'était vraiment sur les zones d'éducation prioritaire renforcées. D'accord, c'était vraiment une cible très restreinte. Et puis, la Covid passant, puis aussi les constatations terrain remontant, Nathalie Elimas, donc la ministre en charge des zones d'éducation prioritaire, a dit que ce n'était pas possible. Il fallait l'élargir. Donc, c'est déjà le cas. Et c'est pour ça qu'on a vu aussi un rebond, parce qu'un certain nombre d'élus locaux ne pouvaient pas s'en saisir parce que n'étant pas dans la cible, or, ils en avaient besoin. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi, quand c'est possible, ce système de buffet. Parce que dans une même classe, dans un même établissement, il y a des enfants qui n'en ont pas besoin. Ouais. Pour autant, ça ne doit pas pénaliser les autres. Et donc, tout doit se faire de façon assez harmonieuse. Et idéalement, il faut faire comprendre aux enfants le jour des petits déjeuners qu'ils ne doivent pas manger chez eux. C'est ça l'idéal ou pas forcément? Non, en réalité, il ne s'agit pas de venir bouleverser... C'est mercredi 18, il y a le petit déjeuner à l'école à 8h20, donc je n'ai pas le droit de ma tartine, maman, directement. Non, il s'agit, encore une fois, alors ça peut être aussi un choix personnel, si c'est un moment d'échange et de partage... Je me dis qu'en termes d'habitude, c'est vrai qu'il faut l'intégrer, et si c'est une, deux, trois fois par semaine, bon. Voilà, et puis on a, les parents ont déjà beaucoup de choses à penser, donc voilà. Et s'il y a des habitudes déjà installées et qui... sont pleinement dans le besoin alimentaire des enfants dans le cadre de leur apprentissage, je ne vois pas pourquoi on viendrait le bouleverser. Après, chacun est libre de faire ce qu'il souhaite. Si c'est aussi, le parent peut estimer que c'est un moment où l'enfant a un autre moment de partage autre que la récréation, autre que l'apprentissage, l'apprentissage scolaire, je veux dire, pourquoi pas? Je veux dire, encore une fois, il ne s'agira pas de dire à un enfant « Non, t'es gentil, normalement on sait que tu manges le matin, tu restes là-bas ». Non, tout ça doit se faire en bonne intelligence et pour le coup, les enseignants savent bien faire la différence. Violette Pétreuil, est-ce qu'un bon petit déjeuner, c'est forcément cher? Pas forcément. Je pense pas. On trouve. Bon, après. Parce qu'il y a quand même cette idée de, pour bien manger, bah, si on vous achetez, fruits, on parle des légumes, on parle de... Pas forcément. On peut voir. Enfin, vous regardez le prix du pain de mie complet, parce qu'on trouve justement, d'ailleurs, hein, on voit par rapport au Nutri-Score, des pains de mie complets qui sont exactement. Et de qualité, hein, qui sont au même prix que des pains de mie bas de gamme. D'accord. Donc ça va peut-être être un peu plus cher. Mais je pense qu'il faut vraiment faire simple. Après, ça peut être aussi un peu de beurre sur la tartine, mais il faut vraiment privilégier les produits complets. Et ça, on le dit. Et en fait, c'est fondamental. C'est vraiment le matin comme les autres repas. Mais je pense que ce n'est pas forcément beaucoup plus cher. Mais par contre, ça prend plus de temps. Prisca Thévenot, quelles sont les remontées de terrain? L'argent, c'est véritablement le nerf de la guerre ou c'est plutôt l'aspect logistique, justement, de mettre en place ces sessions petit déjeuner le matin? Mais moi, ce que ou les deux? J'en parlais ce matin, avant de venir, parce que je voulais avoir son avis, à Olivier Klein, maire de Clichy-sous-Bois. Oui. Il me disait que c'est une très bonne démarche. Lui, il l'a mis en place, alors pas tous les jours, mais de façon ponctuelle. Il ne m'a pas parlé du tout. J'ai écouté, il ne m'a pas du tout parlé d'argent. Il m'a parlé plutôt de logistique. Effectivement, il faut qu'on se saisisse du sujet. Il faut qu'on puisse le mettre le plus simplement possible, sachant quand même qu'on est en période Covid. Donc, il y a quand même déjà beaucoup de choses qui pèsent. On a quand même le sentiment que ce n'est pas la priorité en ce moment, effectivement, avec la situation. Avec la situation sanitaire. Il y a beaucoup de choses qui pèsent aussi. Donc, encore une fois, c'est sur l'accord du corps enseignant. Mais encore une fois, ce n'est pas le sujet de l'argent qui est mis en premier abord. D'accord. Parce que d'ailleurs, la subvention est augmentée. Donc, s'il y a besoin de la remonter, elle sera augmentée. D'accord. Donc, je pense qu'il faut... Surtout qu'il y a une campagne présidentielle, donc ça tombe bien. Non, surtout qu'il y a des enfants qui ont faim. Mais l'enjeu, encore une fois, ce n'est pas de rester dans le dogme. Au final, c'est un travail sur... l'alimentation ou c'est un travail sur l'aspect pauvreté? Les deux. Les deux, mon capitaine. Parce qu'en réalité, le fameux en même temps, je n'ai pas osé le faire, mais bon. Je le fais pour vous. Je suis là pour ça. Mais c'est effectivement pour lutter contre la précarité économique qui se retrouve bien évidemment chez nos enfants et qui conduisent à ces inégalités de destin qui se transmettent presque en héritage. Donc ça, c'est bien sûr une des priorités, mais aussi... de l'apprentissage, parce qu'on le disait, il faut aussi se prémunir de l'obésité, qui est quand même de plus en plus importante, et ce rapport au temps du repas. Et là, on va être deux secondes un tout petit peu chauvin et français. Le temps du repas, en plus, est un moment important pour nous, les Français. Donc il faut qu'on, quelque part, qu'on se rééduque collectivement. Et on le perd
il faut se rééduquer. On le perd justement, ce temps du repas qui est important. Oui. Ouais. On le perd parce que nos modes de vie aussi nous ont laissé nous entraîner dans des choses qui vont beaucoup trop rapidement. Mais je pense que c'est important qu'on prendre un temps de repas, poser, assis, apprendre à... apprendre à mastiquer, apprendre ce sentiment de satiété, c'est extrêmement c'est ça, bien sûr, important. C'est physiologique. Hein. Violette. C'est-à-dire qu'en fait, si on mange, il y a une hormone qui se libère dès lors qu'on commence à mâcher la première bouchée. Et en fait, l'hormone de la satiété, elle met une demi-heure à agir. Donc si on mange vite, moi à 43 ans, je mange toujours mon sandwich en 2 minutes 30. Ben voilà. On me dit qu'en gros, mon sandwich, mais... il faut que je le mange en 20 minutes et du coup, l'écoutez pas. Il y aura l'effet satiété. Ne m'écoutez en pas cas, les enfants. Ça participe justement, le problème c'est qu'effectivement ça participe à ce phénomène d'obésité. Parce qu'on mange, on mange vite et puis en fait on va avaler une quantité phénoménale en très peu de temps et on n'est toujours pas rassasié. On va être rassasié vraiment au bout d'une demi-heure. On parlait hier d'insertion sociale et toi, Mathilde, tu avais des chiffres assez effarants sur la prise de poids des élèves pendant cette crise sanitaire. C'était entre combien? C'est entre 5 et 10 kilos. Entre 5 et 10 kilos, on a même parlé de 15 kilos. Est-ce que justement, vous voyez défiler dans votre cabinet des jeunes? Ah oui. J'ai des ados, des enfants. Ah mais bien sûr. Et c'est carrément de l'obésité, quoi. C'est vraiment... pourtant, les parents... j'ai des parents vraiment qui ont les moyens, qui prennent le temps, et les enfants... sont un peu déprimés, et la nourriture, effectivement, c'est un réconfort aussi. Et ça se traduit sur la courbe de poids. Bien sûr. Mais il y a moins d'activité physique aussi. Le Covid, ça a vachement stoppé. Voilà, donc les enfants font moins de sport, font moins d'activité, et donc forcément, on reste à la maison. Et en plus, il y a les jeux vidéo, la totale. Voilà. L'info en plus, avec Mathilde Wessels. Mathilde, offrir le petit déjeuner dans les écoles prioritaires, c'est une chose, mais qu'en est-il du repas du midi? Oui, parce que la cantine est aussi concernée pour gommer les inégalités sociales. En moyenne, il faut compter 7 euros le menu par élève chaque midi. Pour beaucoup de familles, c'est très compliqué de mettre cette somme chaque jour. C'est pour cela que le gouvernement a mis en place dès avril 2019 la cantine à 1 euro pour 8000 élèves de 150 communes rurales, ce qui représente à peu près plus de 200 000 repas. Les communes concernées ne dépassent pas les 10 000 habitants en général. Comment s'organise cette mesure? C'est un petit peu sur la base du petit déjeuner, c'est un peu la même chose? C'est un peu ça. La cantine, donc à 1 euro, prévoit le financement d'une part des repas servis par la cantine si la commune volontaire seulement met en place une tarification progressive composée d'un minima de 3 tranches. La plus basse étant celle à 1 euro, donc le repas, on commence par 1 euro, c'est-à-dire que les parents déboursent 1 euro. L'État aide à la hauteur de 3 euros en général, le reste est pris en charge par la commune. Donc ça, il faut que la ville soit évidemment d'accord. Le Covid, qui n'a eu de cesse de renforcer les inégalités, a tout stoppé malheureusement. Qu'a fait justement l'État pour pallier à cette crise? Eh bien, depuis avril 2021, le gouvernement a amplifié ce dispositif en élargissant le nombre de communes éligibles. Elles sont passées donc de 4 000 à 12 000, ainsi que le montant également de l'aide de l'État qui est porté de 2 à 3 euros par repas facturé à maximum 1 euro. Et aujourd'hui, en 2022, c'est 2,5 millions de repas à moins de 1 euro qui ont été servis dans les cantines des petites communes rurales. C'est aussi 751 collectivités engagées. C'est beaucoup de chiffres. Triplement, effectivement, des communes éligibles, le disait Mathilde à l'instant, Prisca Thévenot, de 4 000, on est passé à 12 000, pour, je cite, « sanctuariser l'engagement sur la durée », nous a dit pas Jean-Michel Blanquer, mais Jean Castex, le Premier ministre. Pourquoi autant de difficultés? Quels sont surtout, d'après vous, les principaux obstacles? C'est pas de la volonté. Clairement, tout le monde a envie que ça fonctionne, tout le monde a envie que ça marche bien et que les enfants qui en ont besoin puissent en bénéficier. Je pense qu'il y a eu effectivement cette période où ces dispositifs ont été mis en place, qui n'était pas une période où toute politique publique pouvait se mettre pérennement en place. Parce que le Covid, encore une fois, est venu tout bouleverser. Donc l'enjeu n'était pas de dire « on arrête, on lève les bras ». Certains vous disent que le Covid a bon dos. Bah oui, mais en fait, malheureusement, il a eu bon dos aussi pour nous rappeler que l'école était importante. Je ne cesse de le rappeler, mais oui, c'est parce qu'on s'est aussi rendu compte de tout ça, notamment sur l'aspect alimentaire, que nous avons eu cet objectif en France de ne pas fermer les écoles, ou en tout cas de le faire en dernier recours. Donc le Covid peut avoir bon dos, en tout cas force est de constater que ces mesures ont été mises en place pendant cette période un peu trouble, pour autant elles n'ont pas du tout été abandonnées, voire mieux, elles ont été renforcées, aussi bien sur leur cible, mais également sur le soutien financier que l'État apporte aux collectivités. Donc je pense que là, encore une fois, et je ne sais pas du tout ce que j'entends sur le terrain, etc., il n'y a absolument pas de querelle partisane, vraiment pas, j'en entends pas du tout. Et c'est plutôt des débats sur des mises en œuvre, sur
de l'aide financière, sur de l'accompagnement. Et donc, on a là une vraie politique publique qui s'inscrit sur une continuité entre les différents échelons de l'État. Si on a bien un bon exemple de l'harmonie politique à des fins d'efficacité citoyenne, quelque part, c'est rassurant. L'Union nationale autour, effectivement, de ces repas du midi. On a beaucoup parlé du petit-déjeuner. Qu'en est-il du repas du midi pour, justement, pour la gestion de l'énergie et la concentration et aussi d'éviter la prise de poids pour les élèves? Il doit être composé, c'est toujours pareil, hein, de fibres, plutôt de saison. Et on voit d'ailleurs que les cantines font énormément d'efforts. On a de plus en plus du bio, de féculents et de protéines. Donc ça, c'est vraiment l'essentiel. Et en général, on voit que dans les écoles, c'est quand même respecté. Il faut savoir aussi qu'il y a il y a des diététiciennes qui travaillent dans les écoles et il y a vraiment un cahier des charges à remplir. C'est-à-dire ils n'ont pas le droit de servir, plus de deux fois par semaine des nuggets ou des produits gras. Il y a vraiment un cahier des charges. Et ça, on ne s'en rend pas compte. C'est vrai que les parents, des fois, s'en plaignent, tout ça, mais c'est quand même assez équilibré. D'accord. Je reprends les États-Unis, si vous allez aux États-Unis. non. Alors là, on a compris. Midi, on a compris que vous ne les aimez pas. Non, mais bon, parce que j'ai de la famille qui vit aux États-Unis et quand ils voient les menus de mon fils, ils disent waouh, parce qu'aux États-Unis, on leur donne des sandwichs et un paquet de chips. C'est ça. Donc, on a tendance à critiquer, être dans la critique, mais c'est quand même ce qu'on fait, c'est quand même génial. Ils ont droit aux petits sandwichs triangles qu'on trouve sur l'autoroute, voilà, et tout va bien. Ouais. L'accès à la cantine permet aussi l'inclusion sociale, on a de cesse de le répéter. Comment ça se traduit justement au quotidien, l'accès à la cantine? Est-ce qu'en termes d'inclusion sociale, c'est positif ou pas? Oui, c'est positif quand tout est fait en harmonie. En fait, quand on a un enfant qui peut accéder... Moi, j'ai été présidente d'association de parents d'élèves, donc j'ai pu assister à des moments de cantine, à des moments de repas, notamment chez les petits. Et c'est des moments de partage. C'est des moments aussi où on s'occupe de l'autre. Un petit enfant qui voit son copain à côté qui n'arrive pas forcément à couper ses aliments, etc., ça se fait spontanément. Il va l'aider. Ou le moment où ils servent de l'eau au bro. Donc, c'est des moments où, effectivement, le repas est important. Ils sont assis, ils sont posés, mais ils apprennent aussi à partager, à s'entraider. Et ça, je dois dire que c'est... C'est là où ils deviennent des petits citoyens. Moi, je me souviens que Mathilde Vessel, elle m'a dit qu'elle dépassait toujours, elle ne faisait pas la queue. C'est vrai, je passais pour tout le monde. Je rigole. Mais c'est ce qu'elle a tous fait. Mais je plaisante, bien sûr. Quand elle a faim, elle ne rigole pas. Donc, voilà. C'est adolescent, c'est-à-dire petit, il cède, et puis après, ado, c'est un peu... Il cède, il se négocie les morceaux de pain contre les machins. Enfin. Mais voilà, je veux dire, là, ça redevient la base, en fait. C'est, on est ensemble, on partage un bon moment, et puis... finalement, peu importe d'où tu viens, ce que tu fais, où tu vas, qui sont tes parents, quel est ton modèle familial d'ailleurs, peu importe. Et donc, on a beaucoup, beaucoup à apprendre de nos petits, vraiment. En termes de socialisation, justement, ces rendez-vous, que ce soit le petit déjeuner ou que ce soit le repas du midi, c'est primordial, justement, pour la socialisation? Ah oui, complètement. Complètement, parce qu'en plus, quand les enfants, effectivement, passent leur repas ensemble, enfin, tout le monde est égaux, hein, tout le monde a la même chose. Bien sûr, et puis c'est toujours un moment pour discuter de la journée, pour... Complètement. Bon, je retiens en tout cas votre formule du petit déjeuner. C'est un œuf à la coque. Œuf à la coque, idéal. Idéal, une tranche de pain complet. Une tranche de pain complet. Et après, voilà, un peu de beurre, c'est possible. Hein, un peu de beurre on diabolise le beurre, mais c'est pas la chose, c'est la dose. D'accord. Ah oui, j'ai pas eu le temps de vous poser ces questions car on arrive à la fin de l'émission, mais on a beaucoup parlé de sucré, mais il ne faut pas avoir peur de graisser, si je puis dire, de graisser le petit déjeuner. Il faut pas, non. Ouais. C'est peut-être même le moment où c'est le plus important. Ouais. Le plus gros problème, je crois que c'est le sucre. Exactement. Et pas la graisse, mais ce sera l'objet d'une autre émission. Merci à toutes les trois d'avoir été avec nous aujourd'hui pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. Violette Pétrole, je rappelle que vous êtes nutritionniste à Paris dans le 16e arrondissement, et Prisca Thémy, vous êtes porte-parole de La République En Marche. Mathilde, à très vite. Merci, Patrice. Merci pour tout. Excellente journée en notre compagnie sur School TV.